Yo les gars, c'est Ulki, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur FIFA 17 pour une équipe cheatée, pas chère. Donc c'est très avantageux. Donc enfin pas cher, vous devrez quand même mettre un petit billet pour certains joueurs. Donc je vous montre l'équipe maintenant, je l'ai mis pour le Future Champion. Donc là déjà vous allez voir, ouais ok, donc pourquoi il y a des petits, comment ça s'appelle? Des petits poteaux, on va dire ça comme ça. Donc je vais vous présenter déjà l'équipe. Donc ceux-là je les ai pas encore achetés, mais il vaut quand même un petit billet. Donc on va commencer par l'équipe quoi. Donc voilà, Diego Alves que j'ai packé et j'ai mis punaise, un entraînement si vous voulez sur tout. Et regardez les stats, ça vaut un œil or, ça vaut un œil or. Allez hop là, ça dans la boîte. Donc ensuite Klein qui... Alors, on va déjà regarder un petit peu déjà les joueurs, après on verra les prix. Donc voilà, Klein, très bonne stat, j'ai voulu le prendre. Ensuite, Mamadou Sakho, j'ai voulu le prendre aussi pour avoir le lien avec Raphaël Varane. Et, mais de toute façon, là je vous montre déjà les joueurs, après je vous expliquerai comment je l'ai fait. Raphaël Varane, je le kiffe comme défenseur, il est toujours là. Les têtes, les relances et tout, il est grand en plus, et c'est super. Fabio Quintrao, pourquoi lui? Il m'a pas coûté très cher à acheter pour 500, 800 crédits, pas cher. Il fait son taf. Même si je l'ai pas encore joué, je l'ai déjà. En fait, cette équipe, j'ai déjà testé sur un autre compte et je me suis dit, je vais la faire, je vais la faire. Ensuite, Fernandinho, très bon comme joueur, je trouve très bon, mais il a quand même son petit billet. Je pense lui aussi lui mettre un petit entraînement vu que ses stats, c'est pas magnifique. Ensuite, Ousmane Dembélé, ce joueur, je le kiffe, 900 crédits, je vous le... Comment on dit ça? Je vous le dis de l'acheter en fait. Super comme joueur. Combien de matchs? 25 matchs joués, 8 buts, 4 passes décisives. C'est parfait. Renato Sanchez, je l'ai packé. Je l'ai packé au moment où il valait 20 000 crédits. Je me suis dit, je vais le garder vu qu'à un moment, il va me servir. Donc j'ai mis un petit entraînement pour les passes. Pour un milieu central, je pense que les passes, ça doit être là. Très bonne stat lui aussi. Leroy Sané, 68 000 crédits. Oui, je l'ai acheté au début, vu que c'était pour ma BPL. Pour faire les divisions, j'ai mis un petit entraînement pour le tir. Et il en avait besoin. Il en avait besoin. Je pense qu'il en avait 76, un truc comme ça. Il en avait vraiment besoin. Ensuite, Kingsley Coman. J'ai aussi mis un petit entraînement pour les tirs. Ils ont besoin eux aussi. Hein. Alors, acheté pour 2800 crédits. Il vaut son petit billet. Je pense qu'il a baissé un petit peu entre temps. Et Amène Moussa, 2100 crédits. Donc déjà, vous voyez déjà l'équipe, ça va. Si vous en avez certains, ça va, moi je pense. Hein. Et lui aussi, j'ai mis un petit entraînement au tir. Comme ça, il est bien cheaté lui encore pour continuer. Donc Varane. Qui coûte dans les 6 000 crédits, je pensais l'acheter en comme ça, mais 200 000 crédits, faut les trouver. Ensuite, Dusako, on peut l'acheter tranquille, 1 000 crédits, on va dire 1 000 crédits, c'est bon. Klein, il a son petit billet lui aussi, 6 000 crédits, je pense, ouais, 5 000, ouais, 5 000 crédits, il a son petit billet, j'aime bien ce petit joueur, et Fernandinho aussi, je crois, il a son petit billet, oui, 7 000 crédits, 5 000. Ouais, 5 000 crédits. Donc, moi je vous laisse déjà regarder l'équipe comme ça. Si vous voulez la faire, comme ça. Le dispositif 4-3-2-1. Ce dispositif, je l'adore. La défense, elle est bien là. Et l'attaque, j'aime bien comment elle est. Ensuite, en. Alors, je vais vous expliquer. Donc, vous voyez après les liens quoi. Là, j'ai fait un côté BPL qui fait ça, ça, ça. Voilà les 5 joueurs. Ici c'est Liga et BBVA, Liga Santander maintenant. Et ici j'ai fait les 3 joueurs, c'est de la Bundesliga. Et je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Donc ici je pensais trouver un milieu central qui jouait en BPL français. Je n'ai pas trouvé autant, mais j'ai vu lui, et je le trouve super. En entraîneur c'est Arsène Wenger. En BU Origi, aussi très bon joueur que j'ai acheté. Donc après tout ça, vous pouvez le trouver. Oula, qu'est-ce que ça m'a fait? C'était pas du tout ça que je voulais faire. Voilà. Donc je l'ai packé. Ouais, mais je pense qu'il vend quand même son petit billet lui aussi.
Ensuite, George Kevin Nkoudou. Oh là, lui, je l'ai acheté cher, mais ses stats. Pou, 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 lui, il fait des folies, lui. Ensuite, Schneiderlin, acheté pour 900 crédits. C'est. Il est bien. J'aime bien ce joueur. Il a mis quelques buts. Il m'a sauvé des matchs. Il revient bien vite. Deulofeu, que j'ai packé et que je trouve magnifique. Ce joueur, il a la vitesse. Il a les dribbles. Vous partez en pointe avec lui sur le côté droit. Pff, il les traverse tous. Wilfried Saha, toujours de la vitesse, moi, toujours, toujours. Ça doit courir. Premier détenteur, 89 de vitesse, parfait ce joueur. Fellaini, que j'ai acheté pour 1400 crédits, son prêt a dû un peu baisser. Je trouve très bien aussi ce joueur. Adil Rami aussi, 750 crédits, c'est que dalle, vraiment, c'est que dalle. Et ce joueur, je trouve fantastique. Bakary Sagna, mon tout premier joueur que j'ai packé, le meilleur joueur que j'ai packé. Il est toujours dans le club. Première vidéo sur FIFA 17, c'était avec lui. Et voilà, il est dans l'équipe. Dejan Lovren, que j'ai packé sans plus. Je l'ai mis pour faire les liens, mais sinon sans plus. Begovic, aussi très. Bah, lui, toi aussi, c'était pour la première vidéo de FIFA 17, ouais. Lui, très très bon gardien quand même. Mahi et David Villa, donc on va pas parler vu qu'on peut pas les mettre dans l'équipe. Donc voilà, cette petite équipe un peu cheatée. Moi je dirais qu'elle voudrait donc chaque joueur 1000 crédits, donc elle voudrait, non pas 1000 crédits, 1000-7000, elle voudrait entre les, allez, 30 000 crédits. Vu que aussi lui je l'ai packé, il y en a, il vaut quand même un petit billet. Hein. Ouais, il y en a, bon lui, vous pouvez l'acheter en normal hein, aussi. Ou sinon en modifier d'autres. Hein. Vous me direz qu'est-ce que vous avez remplacé par qui? Et moi les petits entraînements là, les petits plots. Moi je trouve ça super bien. Ça fait un peu pupitre dans les matchs, mais bon, voilà. On va faire avec pour le futur champion. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à lâcher un gros like, abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao ciao.